Bonjour à tous, je serai Lucie. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour la suite de cette aventure sur Golden Sun de l'âge perdu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons explorer et nous allons nous rendre déjà sur cette petite île juste ici, et nous irons aussi explorer cette partie du continent complètement blanc. On explore, on ne sait pas trop quoi faire pour le moment. Allez, direction le sud-ouest. Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et aussi vous demander de faire un choix. Le logiciel avec lequel je joue sur... pas Golden Sun. Phoenix Wright et Eternal Justice for All vient subitement l'émulateur ralentit pour une raison inconnue alors qu'il ne me l'avait jamais fait. Donc à cela je vous pose la question: soit je continue le jeu sur un autre émulateur qui affiche un peu moins de couleurs, donc du coup le jeu sera plus terne, mais vous aurez la suite. Soit vous prenez votre mal en patience et j'attends de trouver une solution, enfin de changer de PC afin de pouvoir relancer des smooms, de garder les couleurs vives. Mais il y aura... Oh, c'est beau. C'est quoi ici? J'ai pas vu. IOS de Tundra. Ok, c'est beau. C'est très très beau. Bon, les grands-pères, ok. Donc au choix, soit je continue avec un émulateur moins puissant, soit vous prenez votre mal en patience. Mais personnellement j'aimerais beaucoup le continuer, même si la qualité ne sera pas au rendez-vous certes. Oh les pingouins. Ah, petit piège. Une mini énigme sans doute. Voilà. Très très bien. Ah, je suis censé faire tomber cela, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, je fais quoi? Ok. Utilisons la télékinésie. Peut-être que je saurai ce que veut ce pingouin. D'accord. Il y a une pierre synergie là. Ah non, personne n'a perdu de points. Tant pis. Ok, je pousse un pingouin. Pourquoi pas? Ah, zut. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais bloqué. Mais finalement, tout va bien. Comment ça se fait qu'on ne coule pas? Ah. Une belle pierre. Une belle pierre. Une pierre lumineuse. Ouais. Un objet rare. Ah, je peux la revendre, mais je sens qu'elle me sera utile. Je vais garder. Alors ça, je ne sais définitivement pas quoi en faire. Je me renseignerai là-dessus. Il va falloir que j'utilise des objets un jour. Donc, ok, petite île annexe. Non. Ensuite, sur cette rivière, sur ce long... sur le plateau de continent glacé. Donc, faire tout le tour. Essayer de me repérer quand même un minimum. Non, je suis allé un peu trop au sud, voilà, je remonte. Voici. Donc nous essayons d'explorer en marchant bien sûr, en explorant aussi s'il n'y a pas quelques djinns à récupérer. Faplik. J'étais surpris, super, ça commence super bien, d'accord. 70 points de vie. Ouais, j'ai utilisé les objets que j'ai accumulés parce que j'en ai de trop.
J'ai pas une herbe qui traîne. T'as pas quelque chose, toi, si te purifier. Là par contre ça va me faire du gros pex. Ouais c'est pas mal. Ouais j'ai pris tellement cher en fait. Bon bah là ça va être une grosse séance de pexage. Par contre le chemin est long. Des écureuils. D'accord. Je vais quand même claquer des jeans, hein. Sait-on jamais. T'as une moyenne quand même de 60 points de vie par coup, ça fait mal. Bon, au moins je peux les tuer un ennemi par tour en moyenne. C'est ça qui est bien. Là je suis en train de me perdre. Non c'est bon, je continue toujours sur le même chemin. Ah, par contre j'ai le portable qui vibre. Appel, je suis désolé. À tout de suite. Voilà, c'était rapide, vous n'avez rien vu. Le Fapik là, bah je vais le battre comme ceci. Alarme au cac. Level up et j'apprends vos sorts. C'est tant mieux. Putain, ce jeu est grand quand même. Piqûre, oui, je peux m'empoisonner. Heureusement, ça l'a pas fait. Oh là là. Là, par contre, je vais devoir me soigner. Et de toute urgence. Tiens, on va claquer un jean. Faut que je claque les invocations maintenant. C'est bien joli de pexer, mais bon. Bon, ah oui, regardez le plan. Ok, je suis pas à la moitié. Là, il y a une cavité au sud. Dinox et Curel. On va faire péter les jeans. Quoique pour Pavel, booster la défense. C'est bon, jamais. Ah mais j'ai que des jeans qui me servent à rien. Ah si, ça sert. Procné et puis je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû déclencher un sort. Ouais, j'ai dû peut-être utiliser un sort. Bon. Une petite invocation, niveau 3 ils sont morts. Ok, donc là y'a rien. Là non plus. Un groupe de 3. Donc avec Tiamat je peux les battre. Putain, ça fait bien mal quand même. Il y en a qu'un seul qui a survécu. Nom de Dieu, c'est résistant. Voyons voir les statues. Niveau suivant. C'est pas marqué dans combien de temps. Ah si, détail. Non. Ah voilà, pour l'expérience. Ok. Ah, donc au prochain, ce sera Pavel et Pierce qui vont up.
prochain combat, évidemment. Je pense que ça va le faire au moins pour Pavel qui va up. Vu que j'ai pas confiance, je vais me soigner. Et je claque Boreas. Ou Boreas, je ne sais pas comment l'appeler. Putain, ils ont résisté les deux là. Alors là, s'ils résistent. Voilà, ça c'est fait. Ah, non, pas encore pour Pavel. Oh putain, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre là. Soigner. Pavel qui va soigner tout le monde. Vivement la pierre, puis c'est l'énergie quoi. Là, il y a une bonne grosse zone de farm. Ok, donc il n'y avait rien du tout. Des écureuils, encore. Elle. Voilà. Level up, double level up, génial. Non, pas besoin de me soigner pour le moment. Ah, il y a quelque chose tout en haut. Je vois quelque chose. On dirait un phare de loin. Oui, il y a un phare, ou ce qui ressemble. Résurrection. J'ai pas une compétence avec elle. C'est énergie gagnée, oui c'est aura. Aura, c'est combien? 11 points de vie. Voilà. Cependant, je vérifie. Ouais, je vais quand même passer checker au sud-ouest ce qu'il y a. Mais à mon avis, il n'y a pas grand chose. Voilà des œufs à pic. Du petit farm. Mais c'est toujours ça de prix. Putain, je suis sûr qu'à un moment je vais me perdre, c'est ça le truc. Non, il y a rien. Et ça, c'est le Skype. Voilà, tous les problèmes sont réglés. On est parti pour one-shotter, enfin, le tuer en un tour. Voilà, ça s'est fait, c'était rapide. Oui, donc il n'y avait rien. Donc, go ce phare mystérieux. Étrange et pénétrant. Level up, je sais pas qui c'était. La tour à Toundra. Très beau, j'avoue. Pénétrons dans cette tour remplie d'eau. Oh, de quoi? D'accord, très bien. C'est donc à cela qui va nous servir cette capacité. Commençons par la rive droite.
Ah bah c'est bon, c'est les monstres que j'ai rencontrés dehors. Ça ne devrait pas poser de problème, normalement. Mais une chose étrange, il concerne dans un bloc de glace. Peut-être un objet qui me sera utile. En même temps, tous les objets sont utiles. Voilà. C'est bon, je récupère tous mes statistiques et mes pouvoirs habituels. Voilà, voilà. Là, c'est ici. Afin de monter Minotaur. Ouh, ça fait mal. Pas mal d'XP quand même. Ouh, un labyrinthe. Ah oui, d'accord, un labyrinthe à la Super Mario. Ça, c'est le coffre qui contient de la montre que je vais tout de suite mettre sur Pierce, parce que Pierce est lent. Et cela ne servait qu'à ceci. J'en doute très très fort. D'accord, c'est instantané. Donc a priori c'était juste pour de la menthe. Mais ce troll! Putain, ce troll over 9000 quoi. Cela servir à ça, bah tu sais quoi, je vais de l'autre côté. Ok, ça sert à ça, très bien. Je comprends, mais je veux le coffre. Pas le temps de m'occuper de vous. C'est dommage d'ailleurs. Voilà. Je vais me soigner par contre. Voilà, et je prends le coffre qui est tout au fond. 365 pièces quand même. Ce n'est pas négligeable. Et maintenant je vais pouvoir monter. Voilà, j'accède à la suite. Je sens le piège à la con. Non, c'est bon. Deux chemins, droite, gauche, milieu. À gauche. Pour commencer. Putain, mais ce donjon est tellement long.
un pylône. Très bien, je vois pas à quoi ça a servi. Trois pylônes. Facile à deviner. Un de ces coffres contient une mimique, lequel ? Oula ! Bioarmure Reinharpy. Bioarmure, vous êtes sérieux ? Voilà. Sylvia niveau 22. En écho sage. D'accord, cette zone était juste pour récupérer un coffre. Et c'est... une noix. Noix. Merde, ça fait quoi déjà la noix? Je ne sais plus à qui il a donné. Il me... ah bah non, c'est ça. Oui, boost ta défense. Putain, j'en avais deux. Mais étonné aussi que j'avais beaucoup de place. Alors, un sourcil là. Lina plutôt. Et un pour Cilia. Voilà. Donc, une première partie qui est faite. Qui, une fois, était optionnelle. Et je vais faire une première pause ici. Parce que je sens que ça va être long. Donc du coup, pour moi, ça a duré quelques minutes. Pour vous, ça a duré même pas une seconde. 3, 2, 1, pause. Voilà, vous n'avez rien vu du tout. Donc on va aller à droite cette fois. Je vais juste checker si... oui, besoin de... juste remettre mes stats, voilà, enfin mes psy énergie, voilà, ça me semble bon, c'est impec. Encore une énigme glaciale. Non, en fait, des dinoxécurailles. Voyons, voyons, respirer la vie. On va juste faire une navigation de niveau 2. Le problème sera réglé. Voilà. On continue. Juste pour mettre un peu de points de vie. Voilà. Ok, je vois à peu près. Ah ouais, je vois ce qu'il faut faire. À peu près. Ouais, c'est une énigme, c'est une énigme. Ok, je comprends. J'ai compris. Est-ce que j'ai... oui, je déplacé sur une touche rapide. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Là par contre, je crois m'être trompé. Ouais, je crois que je me suis trompé quelque part pour ça. Ouais. Bon, je dois sortir et rentrer. C'est bête, j'avais tout compris. Bah, ça va reprendre 2 minutes à tout refaire, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est ce pylône et celui à gauche qu'il faut péter. Voilà. Impeccable. Voilà. Bien, bien, bien. Tout cela se passe comme sur des roulettes. Une bio-armure qui va sans doute mourir. Normalement, qui devait mourir si elle n'avait pas esquivé ce coup. Voilà. On remet. Pas Pavel, non, Lina. On continue de monter. Un autre chemin. Voilà qui est étrange par contre. Ah non. Il n'y avait rien d'étrange, juste que j'avais un doute. Oula. Facile. Tout cela est facile. Et bizarre en même temps d'ailleurs. Ah, c'était un mur de glace. Et là, je suis en face d'un objet. Un objet étrange. Mais qu'est-ce? Broche dynamite. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ouh, une psy-énergie. Donne exploser. Alors voyons, essayons. Très impressionnant. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, là il faut descendre. Ah, je comprends mieux. Donc tout ce chemin n'était pas fait en vain. Une caillasse. Alors ça, je crois savoir ce que ça fait. Il me semble que ces monstres peuvent se détruire eux-mêmes. Se suicider, voilà. Je vais quand même me remettre de la vie. Pour tout le monde. Voilà qui est fait. Je vais donc pouvoir retourner au croisement.
commence impossible de s'échapper, mais j'ai fait tous les combats depuis depuis le début de l'épisode. Bizarrement, faut que échapper ne marche pas dans cette situation. Première chose, esquive pour limiter les rencontres aléatoires. Et non, pas ça. Prière sur Lina. Voilà qui devrait être suffisant. Là, ça va déjà mieux quand on rencontre personne. Voilà, et là je peux passer par ce chemin. J'ai utilisé des objets pour cette fois-ci. J'ai 5 fioles. Putain, et quand même. Ça faudrait que je les enlève parce que ça me sert à rien. J'ai toujours une graine. Ouais, donc ça, ça va rien en fait. Voilà. Et là, je tombe. Effectivement. Un djinn, évident. Évident. Oula, évident, mais surtout énigme, là. Énigme, énigme. On va sauvegarder. Que là il y a énigme, il y a surtout grande chance de se rater. Je réfléchis, je prends mon temps. Voyons, alors attendez, faudrait, ok, je vois où est-ce qu'il faut que je sois. Oui, je vois tout à fait où je dois aller. Je vois, ouais. J'ai compris. J'ai tout compris de qu'est-ce qu'il faut faire. Pas ça déjà. Voilà, partir d'ici. Allez! On m'applaudit. Vu que ça sent le combat. Ready pour la battle. Ça par contre, ce que vous venez de voir, c'est parce que j'ai mis, sans faire exprès, la majuscule. Et je vais laisser les cinématiques de tout le monde. Death Viper What? Ça va pas lui faire de dommages, sans doute. Ouais, pas grand chose même. Level up pour Pavel et un demi-millier de pièces. Voilà un djinn de Mars en plus, reflux. Reflux qui est bien sûr donné à elle, contre-attaque l'ennemi. Ouh, intéressant. Maintenant, maintenant que j'ai explosé, je peux sans doute briser la glace qu'il y a dans cet objet. Il ne me reste plus qu'à redescendre. Je peux bien faire fuite, mais je suis curieux. Il me semble qu'il y a une salle que je ne suis pas allé voir, je ne sais plus trop quand. Une mauvaise touche.
me semble que ça devait être par là. Bon, là j'étais surpris. On va pas se mentir, ils font quasiment aucun dommage. Voilà, voilà. L'esquive ne fait plus effet, ce n'est pas grave. Ah zut, il me faut un jean. Voilà. Esquive toujours actif. Et ceci. Voilà. Voilà, tout cela est fait. Gauche. Oui, je suis pas allé ici. Me semble pas. Oh. Des coffres, plein de coffres. Ah ah. C'est vrai que j'ai fait qu'une demi-partie de ce donjon. Donc, ce que je vais faire, c'est direct récupérer ceci. Hop, explosion. Exploser même. Voilà. Et je récupère dans centrale. Qu'est-ce que... Ouh, un trident. Voilà qui est intéressant. Bon, a priori c'était la chose principale qu'il y avait à récupérer ici. Mais je vais quand même aller à gauche. Et puis on en aura terminé. Enfin non, on aura terminé quand je serai à mon bateau. Quand je serai safe. De préférence, oula, il y a plein de chemins là aussi. Plein de chemins, plein de chemins. Alors, reflux. On va voir ce que ça fait. D'accord. Moi, tout ce que je vois, à part ce level up, c'est que bah j'ai failli perdre quelqu'un. Donc finalement, je vais plutôt aller en haut. Il y a les coffres aussi ici. Bon bah en bas. Est-ce qu'il ne fait plus effet ? N'importe quoi. Voilà, esquive fait et fait. Ouais. J'ai un doute quant au fait que ça ne... Quel monstre apparaît moins souvent là. Si tout va bien, ils sont morts. C'est pour si. Ah non. Pas ce tour-ci, dommage. Ok, ils ont aux environs 200 points de vie, ceux-là. Débilité au level 23. Ouais. Ah, c'était donc une zone optionnelle. Je comprends mieux. Putain, mais comment tu peux faire des... Comment des murs de glace de cette taille apparaissent ici? Donc là, si j'en crois ce que j'ai vu, il y a 4 coffres. Très bien, un de ces coffres est sans doute piégé. Ça, je suis déjà à 10 heures de jeu. Enfin, 10 heures et demie, on va dire, maintenant. Ah, ce jeu est quand même vachement long. Non. Parce que je sens le piège. Une plume sylph, ce truc. Ouh, encore un élément forgeable. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. J'y pense que maintenant c'est con, mais au moins si vous savez, si vous avez suivi jusqu'ici, tant mieux. L'élément qui m'a permis
de faire ce bracelet et par ailleurs le bâton. Non, c'est pas le bâton. Merde, elle est où cette arme? Voilà, là. Le bâton vaporeux et le bracelet clair, donc c'est un élément forgeable, la pierre, quelque chose. Seulement ces deux objets seront créés. Je m'en suis rendu compte et ça coûte vachement cher. Et là, un porte-bonheur. Alors, je vais vérifier, on n'ira pas à Toby dans cet opus. Ça, je suis un peu déçu. Et là, les autres coffres. La fiole. Et une épée lumineuse. Ouh. Ouah. Je donnais à Pierce. Pierce qui avait leur sabre brumeux, qui va donc le donner à Pavel. Contre le sac de mithril. Échange impossible. Ah oui, c'est vrai. Bah, contre les fioles équipées. Et Pavel avec quoi déjà? Une Draco H. Ouais. Vendre à Draco H. Bien, maintenant on a fini tout cela. Je vais pouvoir utiliser fuir. Et nous en avons fini avec ce phare de toundra. Toundra, je sais plus. C'est comment? Tour de toundra, ouais. Donc là, ce qu'il me reste à faire avant ce kit, c'est tout le chemin que je vais faire jusqu'au bateau. Je ferai une petite coupure, quand même, pour vous montrer ce que j'ai forgé à Yalam. Et puis on s'arrêtera. Bon, évidemment, je vais me taper des combats. Bah, ça tombe bien. Hop. Hop, bon, je fais des invocations n'importe comment, c'est pas grave. Ah, pour moi, c'est pas trop grave, vu que de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Et aussi, pensez à utiliser esquive. Ce que je vais m'empresser de faire. Voilà. Rencontre aléatoire diminuée. Quel épisode quand même. Ça vaut pas les 1h30 que j'ai fait à Rocher ou les 1h à Rochaud. Mais quand même. Maintenant c'est dévoilé une nouvelle possibilité. Reconstituer ce trident auquel il manque maintenant deux morceaux. La question c'est à quoi ça va me servir. Et vu que j'ai une lit, je me casse. Tiens, tant que j'y pense, je vais faire une strat. Je vais essayer de rendre les PP à Pavel lors d'un combat. Parce que Pavel n'a plus beaucoup de points psy-énergie. Donc durant ce combat-là, hop, tu attaques. Toi, tu vas rendre les points à Pavel. Et tu attaques. Oula, ça fait mal. Bon, le poison, je pourrais toujours me l'enlever hors combat. Voilà. Et me soigner avec Oracure. Voilà. Allez, je suis presque arrivé au bateau. Esquive ne fait plus effet. Allez, pour ce qui reste à faire, je prends le risque. Voilà, ça c'est fait. Je suis en train de me refaire en or d'ailleurs, j'ai combien? Presque 20 000 pièces d'or. Ça va.
Ah, la plage. Donc, je vais couper ici et je vous retrouverai à Yalam où je vous montrerai ce qui a été forgé grâce à cette plume sylph. A tout de suite. Voilà, nous sommes devant Yalam où j'ai donné préalablement mon objet forgeable et à savoir qu'il existe alors je sais pas si c'est un bug ou un cheat, mais pour qu'un objet soit forgé plus rapidement, il vous suffit juste de sortir de Yalam et de re-rentrer. Le jeu considère que l'objet a été forgé. Wait, je suis pas allé où il faut. Après nous quitterons. Voilà, l'objet a été forgé. Alors regardez bien combien ça me coûte. J'ai 19 800 pièces. Quoi, flottant, génial. 5 700 pour cet objet, c'est cher. Alors cet objet m'a donné, voyons voir. Quoi, flottant de boost, chance résiste à l'air. Alors qui en a le plus besoin? Pourquoi son attaque baisse? Ça boost la chance. Voyons, à qui vais-je donner cela? 131, ah, je ne sais pas. À Pavel, ouais. Ah oui, c'est vrai. Équipé. Je vais aussi, pendant que je vous tiens, vous obliger à regarder ce que je vais vendre. Oh, il y avait un coffre, j'avais pas vu, tiens. Je vais voir si je peux le vendre, si je peux l'avoir. Alors, chapelle de fer, tiens. Ça, je le garde. Ça, je ne sais pas, mais ça pourrait m'être utile. Les élixirs, je les vends. Voilà, j'ai un peu de place. Toi, mais en fait elle a que des objets qui s'équipent. Ce porte-bonheur, voilà. Et toi, t'as rien. Toi, par contre, il me semble que t'avais un objet. Non. Non, voilà, je ne vais rien acheter. Alors par contre, il y a un coffre là. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne l'ai jamais. Ah, peut-être que c'est là qu'il va me servir à exploser. Qui sait? Ah ouais. Il semblerait que non, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Très très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter, de liker la vidéo, de la partager aussi si vous le souhaitez. De vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter @reus1, de répondre à la question si oui ou non je dois continuer Phoenix Wright Ace Attorney en moins bonne qualité, c'est-à-dire où les couleurs sont un peu plus sombres, ou bien je patiente jusqu'à ce que je trouve un moyen alternatif d'avoir ces mêmes couleurs, mais ça peut prendre du temps. Bon jeu et à la prochaine.